Totoo rin ganyan yung panahon na naaalala ko. Yung tahimik tapos maano, matahimik yung mundo. Mahangin, tapos makulimlim. Medyo naaalala ko. Nous l'appellerons Diwa. Elle a 11 ans. Elle est une des victimes d'un crime totalement ignoré en Europe, mais qui fait des ravages aux Philippines. Elle a été agressée sexuellement par ses parents, en direct, sur Internet, devant des Occidentaux qui achetaient le spectacle de son viol, pour pouvoir y assister, par écran interposé. Accompagnée de son assistante sociale, en qui elle a confiance, Diwa nous livre un témoignage précis et assuré pour son jeune âge. Elle a déjà raconté son histoire à la police et aux services sociaux, un long processus de libération de la parole, le destin d'une petite fille jetée en pâture à des prédateurs. Nagka-COVID-19, mga yung di na kami nakapag-aral, yung modular na lang. Tapos nawala sila ng trabaho. Kaya ayun na lang yung ano, ginawa nila kasi wala nang trabaho silang maano. Kaya yun na lang yung trabaho yung ginawa nila. Nagsimula si Tita Yoik na i-download yun. Tapos nagsunod-sunod na sila. Grâce à des documents issus de l'enquête judiciaire en cours, nous avons pu reconstituer comment Diwa a été vendue par sa famille, sur Internet, à des pédophiles étrangers. Ici, cette banale photo d'anniversaire sur Facebook, postée par son oncle pour ses 10 ans. En réalité, c'est une publicité pour attirer les prédateurs. Sur des centaines de pages, les enquêteurs ont transcrit les conversations entre la mère de Diwa et les commanditaires européens. Ici, elle échange avec un certain René, qui vit en Suisse. Qu'est-ce que tu fais pour 200 $? Je baise ma fille avec mon copain. Ma fille est vierge, je ne la sacrifie pas pour rien. Je baise mon fils, mais pour 6 000 pesos. 6 000 pesos, 100 euros. Chaque enfant, chaque sévice sexuel a un prix. En fonction des demandes des Occidentaux, Diwa, son frère, 9 ans, et son petit cousin, 7 ans, sont forcés à avoir des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes, devant la caméra d'un téléphone portable. Yung mga foreigner na nakikita ninyo doon sa video, sa tingin nyo ba mababait sila or ano, nakakatako? Nakakatako. Nakakabago. Kabago. Nakabago ka. Bakit? Kasi ano, parang ano, wala kung anong gagawin nila sa amin. Kung ano yung balak nila. Avec le confinement mondial, la demande est intarissable. Il faut sans cesse fournir de nouveaux contenus pour satisfaire les pédocriminels occidentaux. Tapos, ako yung favorite nilang tawagin doon. Kasi ano, ako yung babae sa kanila. Tapos, yun.
palagi nun, mga isang araw lang ako nakakapagpahinga tuwing ano, tinatawag ko. Kasi kada paupo pa lang ako sa sofa, tinatawag na kagad ako. Tapos minsan, sandali lang naman daw yun eh. Tapos minsan pinagtatakot nila sa akin na pag di daw ako sumunod, dadalhin daw nila ako sa labas ng nakahuba. Pinapakita kayo sa foreigner sa cellphone ba yun or computer? Cellphone. Ilang beses ka pinunta sa cellphone? Konti pa lang. Gusto nyo na. Ito, pakadami na ko eh. Ah, hindi tama yan. Thank you, Dad. What happened? Marie, leur assistante sociale, est celle qui a rendu leur témoignage possible. Cela fait 17 ans qu'elle intervient auprès des enfants violés. Tous les enfants que nous avons ici sont uniques. Mais ces enfants victimes d'exploitation sexuelle sur Internet sont vraiment à part. Malgré leur jeune âge, ils savent tout des transactions. Ils connaissent les applications, les transferts d'argent, les séances en direct, les sex toys. Les paiements de ces viols en direct transitent comme n'importe quel autre service acheté sur Internet, sur un site très populaire de transfert d'argent à distance. Selon les relevés que nous nous sommes procurés, des milliers de dollars ont été versés sur les comptes des deux oncles de Diwa. 4 500 $ reçus depuis l'étranger, une fortune dans ce coin du monde, un an de salaire moyen philippin. Tapos matutulog na lang din ako paggabi, ano, tatawagin pa nila. Tapos nagwawala ako nun minsan. Kasi sabi ko, palagi nyo na lang ako tinatawag. Tapos palagi nilang dinadailan na para sa amin naman yun, tsaka sandali lang naman yun. Para daw mapagawa yung bubong namin. Gusto niyo daw ba dito sa Preda? Yes. Okay. Dito lang ako makakain kasi doon sa bahay namin. L'homme, grâce à qui tous ont été mis à l'abri de leur famille, est un prêtre irlandais de 79 ans, Shay Cullen. Il est le fondateur de Preda, un refuge spécialisé depuis 40 ans dans l'accueil des mineurs victimes d'agressions sexuelles aux Philippines. C'est notre centre bien-aimé. C'est moi qui l'ai dessiné, en octogone. Venez à l'intérieur. We're getting ready for Christmas. On se prépare pour Noël. En ce moment, plus de 200 enfants y sont recueillis, nourris, logés, soignés. Le père Shay a choisi d'installer Preda dans la région de Olongapo, une ville côtière à l'ouest de la capitale, Manille. Il est le plus ancien activiste contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le pays. Pour dénoncer, il faut pouvoir dire la vérité. C'est un crime terrible d'être complice de viol d'enfants parce qu'on reste silencieux.
un demi-siècle, face au même système de prédation, sans cesse répété. L'histoire de ma vie aux Philippines a commencé en 1969. Déjà à l'époque, j'ai réalisé que la ville était dépendante de l'industrie du sexe. Ces centaines de bars, de clubs. Tout ça parce qu'il y avait une base militaire américaine, juste à côté. Donc, la ville fournissait du divertissement sexuel à tous les marines qui venaient du Vietnam. Quand je me promenais dans la rue, on me prenait pour un militaire en permission et on me proposait des enfants. Aujourd'hui, il y a encore tellement à faire. Parce que bien sûr, avec le développement des technologies, on a vu encore plus d'enfants exploités. Good afternoon. Yes, are you going to go in Preda? No, we are waiting for them actually. Ah, they're up there. Yes, they're taking it. Oh, okay. I think are having a swim. Ah, at the falls. Now because it's too hot. Sorry about that. Okay, no, you're welcome. Sometimes we have a problem with. Parfois, nous avons des soucis avec les parents des enfants victimes. On a certains parents qui essaient de rentrer dans le dos de nos travailleurs sociaux pour rendre visite aux enfants. Ils cherchent à les influencer pour ne pas qu'ils témoignent devant la justice. Emmanuel est un des premiers enfants que le père Shea a accueilli à Preda. Son père est un marine américain. Aujourd'hui, Emmanuel est le directeur de la fondation. Ces trois dernières années, il a été le témoin de l'explosion des cas de viol d'enfants sur Internet. Rien que dans cette région où Preda opère, nous avons recensé 122 cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Sur ces 122 cas, 100% sont issus de familles très pauvres, dans lesquelles les parents considèrent les enfants comme une marchandise qui leur appartient. Et parce qu'ils sont considérés comme des marchandises, les parents peuvent en faire ce qu'ils veulent, et donc les vendre. C'est Emmanuel qui a pris en main le dossier judiciaire de Diwa, de son frère et de son petit cousin. Les enfants viennent d'une ville qui s'appelle Plaridel, tout près de la région de Manille. La famille était très pauvre et vivait dans une cabane faite de matériaux recyclés. Mais une fois qu'ils se sont lancés dans ce business, ils ont pu construire une maison. Nous pensons que ce sont les deux oncles qui étaient déjà dans ce business depuis un moment qui ont présenté cette opportunité aux autres membres de la famille. Ils étaient tous impliqués, le père, la mère, les deux oncles et même la grand-mère. Plaridel, un coin sinistre des Philippines où les pédocriminels occidentaux n'oseraient jamais venir en personne, mais où ils ont fait des victimes à distance. C'est dans ce quartier que vivaient Diwa et sa famille. Ici, tout le monde jure n'avoir rien vu, rien su, rien entendu. Le maire du quartier, Oscar Gabriel, aurait seulement constaté que le niveau de vie de la famille avait changé, presque du jour au lendemain. En fait, on était vraiment surpris. On ne s'y attendait pas. C'était une famille très calme. Ce qui nous a étonnés, c'est qu'ils arrivaient à agrandir leur maison, mais nous étions contents pour eux. En aucun cas, on s'attendait à quelque chose de ce genre, qu'ils exploitent leurs enfants pour de l'argent.
En fait, ça a été un choc, parce que d'habitude, ce sont des choses qu'on voit au journal télévisé, pas chez nous. Vous savez, ici, on n'est pas dans une grande ville. Donc c'était vraiment inattendu d'avoir un cas comme ça, et en plus que tout ça se soit passé sur Internet. Nous avons retrouvé la maison où les trois enfants étaient violés, en direct, sur Internet. Une des plus modernes de la rue. Leur grand-mère y vit toujours. Ako po si Fragasa, local producer po ako para sa isang documentary po na galing na doon sa Narnia-Naso nung nakaraang taon. Doon po sa inyong mga apo. Wala akong camera. Ah, walang camera. Okay lang po. Kahit yung sa nararamdaman nyo na lang po para sa apo nyo, kung namimiss nyo na po ba yung mga apo nyo. Sa araw-araw, umiiyak ako. Yan. Sobra tao rito. Ano po kung may gusto po kayong sabihin? Ano po kaya yun? Doon sa mga nag-aakusa or pa rin po nag-chismis? Ano? Inaano ko na lang. Wag silang mag-usga kagad ng kapwa nila. Kundi ano yung muna nila, yung buhay nila. Bago yung buhay namin. Oo po. Pare-pareho lang. Pare-pareho lang kayo may... En septembre 2021, la police locale débarque. Pas à la suite d'une enquête, mais d'une dénonciation, celle du père, qui voulait toucher plus d'argent sur les transactions. Depuis, les parents sont en prison, les deux oncles toujours en fuite. Quant aux Occidentaux qui payaient pour assister aux viols en direct, seulement deux ont été identifiés. Un Suisse et un Britannique. Des dizaines, peut-être des centaines d'autres clients n'ont jamais été repérés. Bien sûr, on peut agir sur le côté offre. Ici, aux Philippines, on peut arrêter et condamner les violeurs d'enfants. Mais du côté de la demande, il faut en faire plus pour traquer les commanditaires. Parce que s'ils s'en sortent impunément, il est certain qu'ils exploiteront d'autres enfants ailleurs. Ici, des adultes de confiance, plus de téléphone, plus d'accès à Internet. Les trois enfants ont retrouvé une éducation et des jeux de leur âge. Mais comment se reconstruire après une enfance pareille? Pour traiter les traumatismes, le père Sheikh Helen encourage depuis 20 ans le recours à une psychothérapie dite primale, basé sur l'exorcisation de la douleur. Tout se passe dans cette salle. So, narinig ko lahat ng mga sigaw at sakit na naranasan ninyo. At syempre, mula noon hanggang ngayon, kasama nyo kami. Ramdam na ramdam namin kung paano yung pait, lalong-lalo na sa'yo. Yun, no? Kasi alam namin na anak mo si Rafa. Sabi kong kaibigan, ginanon ako. Tsaka gusto ko siya mapunta rin dito. Gusto ko rin siya makuha. Para siya naman yung magdusa.
yung kaibigan mo? Opo, sana tatlo, apat kaming binanta, pero ginusto ko naman yun, pero di ko naman totaling ginusto talaga yun. Magsisisi din ako kasi ginawa ko ba yun para magkapera lang. Ayun lang. Salamat, Jeng. Ikaw naman ako. Combien y a-t-il exactement d'enfants victimes de viols sur Internet dans le pays? Durant les trois premiers mois du confinement, le nombre de signalements de contenus pédocriminels, dont des agressions en direct, a augmenté de 200%. Depuis, plus aucun chiffre officiel. Sur les trottoirs de Manille, la pauvreté n'a pas disparu, la prostitution non plus. Ces dernières années, les Philippines ont réussi à faire diminuer le tourisme sexuel. Mais ce trafic s'est massivement déplacé en ligne, à l'abri des regards. Et il n'a jamais baissé, même après la fin de la pandémie. Toute la structure autour des abus sexuels des enfants sur Internet a survécu. Elle est toujours en place, ça n'a pas baissé. Au Parlement philippin, Arlene Brosas est une des seules progressistes parmi les 312 députés. Élue d'un parti féministe, elle lutte contre une société catholique massivement conservatrice, dans laquelle l'avortement et même le divorce sont interdits. On ne peut vraiment pas trouver une solution si le gouvernement n'agit pas de manière décisive et politique. Et pour le moment, ce n'est pas sa priorité. Il est très difficile de faire passer la moindre mesure pour le droit des femmes et des enfants. Très difficile, ne serait-ce que d'en parler. Alors que nous avons tellement de cas en ce moment même. Et nous avons seulement 11 refuges publics pour enfants. Alors où iront ces enfants? Où iront les familles les plus pauvres? Quel avenir pour cette génération perdue? Seule une collaboration judiciaire internationale d'envergure permettrait d'endiguer ces nouveaux réseaux. Selon une étude récente, un enfant philippin sur cinq a déjà été contacté sur Internet pour du contenu sexuel.